aujourd'hui, petite vidéo sur un unboxing. Donc des commandes qu'on a faites pour une, deux, trois répliques, c'est ça? Trois répliques, ouais. Trois répliques, donc ça va être que de l'interne, pas de... Ouais, que de l'interne. On va déballer, vous allez voir ce truc de malade. Allez, vas-y. Voilà, donc commande effectuée sur la Sauf Entrepôt. Ah oui, je voulais dire. Voilà. On est pour une 310€ à peu près. Ouais, 310€. Bon, allez, on y va. Là, les trucs, sans entrepôt, le collier, tout petit, petit. Alors, tout. Là, allez. On voit bien que tout est bien emballé. C'est emballé dans le papier bulle, c'est pièce par pièce. Hein. Allez. Ça, c'est pour moi, on a... On a... Un drainage SHS 13 pour 1, pour même 4 katanas. Un ressort M130 pour le katana également. Ce qui appartient à qui? Alors, ça à mon avis c'est pour toi. Voilà. Alors voilà, batterie stick, voilà type AK, ATEM 11 1V pour ma Scorpion Evo, parce que je n'avais pas. On va voir ce que ça donne. Ah. Toi ça? Ça c'est moi. Alors, on a un ressort M110, alors pour la M4. Où je refais l'interne parce que ma gearbox a clairement explosé en deux. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc première pièce pour moi, donc ressort. Ouais. Alors, des bushings de FPS Software. Voilà, bushing sur roulement en 8 mm pour aussi ben, la gearbox. Ça va être M4. Une tête de cylindre Modify pour la gearbox de sa P90, voilà. Donc une gearbox de version 6. Voilà. Vas-y, je vais prochain. Oui, oui, il n'y a rien. Si, si. Il est beaucoup pas pour voir dans chose en fait. Ouais. C'est bien protégé. C'est bien pour moi, on est sûr qu'on n'est pas emmerdé. Ouais. On ne les a pas commandés, ça par contre. Ça doit être intégré. Ça devait être avec. Ils ont dû nous les offrir pour je sais pas quoi. On verra ce que c'est un petit peu plus tard. Ah, ça, c'est à toi, je peux le prendre. Ah ouais. Alors ça, une poignée type 416 de chez EEC, voilà, pour changer la poignée basique de même 4. Voilà, alors je joins Poséidon noir, donc 60 degrés, pour changer celui-là de même 4, parce que le mien, depuis un an et demi, a fait le travail, on va dire. Ça. Ensuite, on a... Un moteur SHS High Torque, ouais, voilà, ils ont changé l'image, avant il y avait un petit loup, là il n'y est plus. Donc voilà, on en a commandé deux. Voilà, et le deuxième, je vous le montre. Il est là, voilà. Donc ça, SHS High Torque, voilà. Pour les deux répliques, donc ma katana parce que le mien, ben, il n'y a plus de charbon. Et le sien pour sa M4 parce qu'il avait de changer, un d'origine. Un d'origine. C'est pas fort, c'est plus simple. Ils ont mis des emballages par Kira. Voilà, tête de piston pour la M4, super donc shooter. Super shooter SS. Tête de piston silencieuse. Voilà, silencieuse. Silencieuse. Parce que lui il avait déjà une tête de cylindre silencieuse. Silencieuse. Donc on y a pris une tête de piston silencieuse également. Je vais s'ouvrir. Ça, ah, ça c'est à moi le plus gros. Ça, toi, donc, le plus gros, c'est moi qui l'ai. Il est au fond. Là, il y a la guerre, c'est... Il est joli. Un cylindre gris pour ma katana, donc de WE. Donc c'est le 130 avec un ressort M130 logiquement, donc j'ai une vélocité de 400 fps. Mais bon, moi c'est pour changer, je vais changer le ressort comme je veux pas, une puissance aussi. Je te laisse faire ça, on en parle plus. Bon, c'est sans désouvrir, mais voilà, comme vous avez vu, des billes ATM bio en 0,20. J'ai pris 0,20 cette fois-ci pour tester. Voilà, j'en ai pris deux paquets. C'est des bonnes billes, franchement, j'ai pris des. Voilà. Apple Plate modèle ATM, exprès pour la gearbox. Parce qu'il faut savoir qu'on a commandé une gearbox ATM qu'on verra après. Et il faut le taper de plate exprès. Donc là nous avons un piston cheese de chez SHS avec 14 dents métal. Donc j'ai utilisé sur plusieurs répliques et ça c'est un beau piston. On va ouvrir le plus gros après
cylindre à mon collègue là, Cool Breeze. Là, il vient d'emballer aussi. Voilà, une gearbox ATM, couleur orange vat avec un micro switch intégré dedans, hein, c'est ça. Mais il faut savoir que nous on l'a pris vide parce qu'on voulait y mettre nos propres, notre propre interne à l'intérieur. Voilà, et que le prix revenait aussi beaucoup moins cher à monter soi-même plutôt que. Ouais, mais on vous dira ce que ça donne quand tout sera monté. Il y aura une vidéo du montage. Et il nous reste un dernier article. C'est oui. Alors ça ne se fume pas, ça se monte bien. Voilà. Donc là voilà deux joints SHS. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai voulu les prendre pour les essayer. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont, il y a des rubbers en même temps. Là, ils ont mis, ça, c'est cool. Donc il y a le, si je dis pas de bêtises, le 50 et 60 degrés. Je crois que le 50 c'est celui-là, le 60 il rouge, je ne suis pas sûr, mais voilà, j'ai pris la version 2 avec les trois petits bourrelets qui sont juste devant pour encore une meilleure étanchéité en vue de, du bloc open. Hop, et voilà, on vous présente la commande qui a été dans le carton en détail. C'est moi qui les ai, c'est moi qui ai commandé. Ok, mais en fait j'ai commandé une chose, mais c'est pas ça. Je croyais que c'était le. Ça, du cylindre, en fait non. Bon, mais tout comme en fait, j'ai fait une commande qui sert à rien, je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais c'est pas grave, j'en ai eu pour 1€, c'est rien du tout. Donc on se retrouve plus tard pour remonter tout ça. Ouais, voilà. De toute façon, on aura une vidéo pour le montage de la gearbox, une autre montage pour la P90, et voilà. De toute façon, il y aura plein d'autres vidéos au cours de l'année, donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre, liker, partager, commenter, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Et ouais. Un peu tout ça. Voilà pour nous, on se dit à une prochaine. Allez, ciao tout le monde. Salut. Give me a reason to walk the fire, see another dawn.